Voilà, donc là en l'occurrence, pour ceux qui sont allergiques au lactose, fromage de chèvre. Voilà, alors moi le fromage de chèvre là que je vous montre, il est sans lactose et il n'est pas très fort au niveau du chèvre. Donc après vous mettez ce que vous voulez, donc vous voyez c'est sous forme de tranches, voilà, assez fine. Hein. Voilà, donc par exemple, pour deux tranches, ce qui est déjà amplement suffisant. Moi, je la coupe en lamelles. Un petit peu en triangle comme ça. Vous allez voir pourquoi, c'est surtout par rapport au centre. Voilà, que vous puissiez avoir quelque chose d'un petit peu homogène. Moi, je le divise en quatre, après vous faites comme vous voulez, hein. Après, hop là, je le redivise encore. Et voilà. Et enfin, pour finir de cuire, vous mettez une casserole par-dessus. Et là, forcément, bah, l'autre casserole, il y a la garniture dedans. Je suis super doué. Voilà, je vais être obligé de décaler la garniture dans une autre casserole. Alors, le jus de viande que vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. L'idée, c'est que si vous le mettez, bah, ça va couler un petit peu en fait. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Voilà. Et ensuite, ben voilà, vous faites ça. Vous le mettez par-dessus, comme ça. Et comme le fond était à peine cuit, si vous le laissez, ouais, ne serait-ce que un quart d'heure comme ça, le fond qui n'était pas cuit, il va finir de cuire. Et comme vous avez mis autre chose par-dessus, ça va faire étuve. Et ça va venir faire fondre le fromage, finir de tout cuire. Donc là, c'est une technique, on va dire, relativement simple qui vous évite d'aller allumer le four et faire tout un pataquès. Là, c'est la solution un petit peu rapide. Si après vous voulez faire du grand art, vous pouvez, une fois la garniture faite, vous la faites glisser dans un plat ou une assiette et vous la glissez au four. Après, c'est comme vous voulez. Et ben voilà, c'était aussi simple que ça. Maintenant, dans 10 minutes, un quart d'heure, je vais refilmer le résultat. Mais bon, voilà, logiquement, là, tout est fini. Allez, à tout à l'heure.